Alors, correction d'exercice 16, comment lève-t-on une forme indéterminée sur un quotient de polynôme? On peut appeler ça aussi une fonction rationnelle. Donc, la première limite à déterminer, c'est la suivante. Alors, si on essaye de déterminer cette limite avant de modifier l'expression de départ, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, quand on passe au quotient des limites, on obtient une limite de la forme l'infini sur l'infini. C'est donc une forme indéterminée. Il va falloir modifier un petit peu l'expression de départ pour déterminer la limite. Donc ici, on a modifié l'expression de départ en factorisant au numérateur par x et au dénominateur par x carré. Bien sûr, pour qu'on ait cette égalité, il faut que donc le dénominateur ne soit pas nul, bien sûr, et que x soit différent de 0 pour pouvoir factoriser par x et simplifier. Alors maintenant, donc avec notre nouvelle expression, on va peut-être chercher la limite en commençant par la limite au dénominateur. Donc par produit des limites, la limite de x facteur de 1 moins 8 sur x carré est égale à moins l'infini. Passons au numérateur. Donc par quotient des limites, la limite de 1 moins 1 sur x divisé par x sur 1 moins 8 sur x carré, eh bien c'est 0. Puisqu'on a une limite qui tend vers 1 divisée par une limite qui tend vers l'infini. Le deuxième, au brouillon, ici, la limite du numérateur quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. La limite du dénominateur quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Eh bien nous sommes dans le même cas de figure, c'est une forme indéterminée. Je peux barrer les x pour x différent de 1 et x différent de 0. Différent de 1 car le dénominateur doit être non nul et pour simplifier ici les x, il faut que eh bien, x soit différent de 0. Donc maintenant on peut passer aux limites. Et donc, on a levé l'indétermination. On peut dire donc que cette fonction, la fonction f dans le deuxième moment, eh bien, elle admet une asymptote horizontale d'équation y égale 2, même si ce n'est pas demandé.